Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui retrouve pour la première fois celle avec qui elle a travaillé il y a quelques années, mais avec qui elle n'a pas couché, Yann Folli. Bonjour à tous, bonjour. Une grosse tête qui retrouve son amie Yann Folli et qui a donc des moyens de la faire chanter, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui n'a pas pu être sur la photo prise à Marseille, où on voit Emmanuel Macron chemise ouverte parce qu'il est arrivé un poil en retard. Titoff. Bravo. 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 Une grosse tête qui, comme Yann Folli, adore chanter, mais qui, par chance, n'en a pas fait son métier. Christophe Beaumont. Bonjour. Une grosse tête qui peut servir d'éolienne dans toutes les bonnes rédactions. Oh merde. Yoann Rioux. Bonjour. Et une grosse tête qui pourrait être l'enfant caché que Pierre Bénichou aurait eu avec Jackie Sardou. Sébastien Thoer. Ça donne envie de la tenter. Mais pourquoi Jackie Sardou ? Oh, bah parce qu'elle était très bavarde aux grosses têtes aussi. Elle a fait les belles heures des grosses têtes, Jackie Sardou. Je croyais que c'est parce qu'il avait un appareil dentaire. Bien avant Pierre Bénichou, il y a eu Jackie Sardou aux grosses têtes. C'est pas bien. Polydent. On se rappelle. Elle a fait la pub pour Polydent ? Mais oui, elle mettait ses dents dans un verre. Mais non. Mais bien sûr que si. Ah, tu parles d'un souvenir où t'as couché avec elle ? Non, dans un verre, c'était pas ses dents, c'était le sourire de son fils. Ah ouais. Mais est-ce que ça existe ça encore? On met encore le dentier, les personnes âgées mettent encore leur dentier dans un verre. Ah oui, de, demande au public. Ah, pourquoi tu nous demandes ça à nous? Ah, il y a la dame au premier rang. Oui, la dame au premier rang. J'ai mon verre, allez-y, j'ai mon verre. En tout cas, je vais vous dire, ma mère le faisait. Elle avait c'est terrible, mais elle avait ses dents sur la table de chevet. Mais votre père devait adorer. Je vous dois. Oh non, il n'aurait pas dire ça. Pas tant que ça, ils ont quand même eu 5 enfants. Ah oui. Mais votre père, il était hétéro, Laurent. Mais Laurent. Oui. Laurent, je suis tellement heureux parce qu'aujourd'hui, c'est un moment très important. Oh, merde. Pour deux personnes, les retrouvailles après 12 ans. Caroline Diamant et Yann Folli. Et ce qui est beau, c'est que Laurent, vous avez changé la vie de ces deux femmes. Ah bon? Oui, c'était Place de la Bourse, un restaurant qui s'appelait Le Bon Dieu. Pas Le Bon Dieu, Le Bon Dieu. Oh là là. C'était super bien. Et là, vous avez. Yann Folli a été extraordinaire. Yann Folli vous a dit: prenez ma copine, mon amie Caroline Diamant, elle est géniale. Ça sera une formidable pour les émissions. Là, elle va gêner. À Franprix, sauvez-la. Et tu... Oui, elle est dans la merde. J'étais là, moi, j'étais là. Moi, j'étais serveur. Moi, et ce qui est génial, parce que non, mais ce qui est beau, c'est que quelques mois plus tard, Caroline a fait de la télé grâce à Yann Folli, grâce à Laurent Ruquier. Et c'est qui travaillait avec Caroline Diamant? C'était toi. Et oui, t'as, en 2004, t'as fait les Hyènes avec Caroline Diamant. C'est vrai, c'est t'as vrai. Vu, alors on dit que t'es la nouvelle vague, on dit que t'es la nouvelle jeunesse. Non, c'est la vieille vague. On dit que t'es un nouvel... Ça fait 18 la ans. La mini vague, la nouvelle mini vague. T'es dans le poste, ça fait 18 ans que t'es. Yoann, t'as déjà essayé de prendre de la cocaïne? Ah non, ça serait mortel pour lui, oublie. Mais c'est vrai. Ah non, non, non. Il meurt sur le coup. C'est comme Obélix. Revenons à notre sujet. Alors, les deux amis, vous êtes fâchés, vous êtes réconciliés? Comment ça se passe? Moi, j'ai jamais été fâché, mais la vie nous a séparés. La vie nous a séparés. Ah, ça veut dire quoi, la vie nous a séparés? C'est une chanson. Ça, c'est une chanson, ça. La vie nous a séparés. On a tracueilli. Faut dire que c'est pas bien, Yann, d'avoir couché avec son mari. Hein. Ah, c'est ça, on fait du sexe, évidemment. Mais jamais de la vie. Jamais. Je trouve que ce qui est important, c'est l'instant présent, non? Non, mais vous êtes parvu depuis... Non, attendez. Il a raison, Rio. Vous êtes parvu depuis 12 ans. 12 ans. Il faut qu'on en profite. Mais attendez, vous n'étiez jamais revu. Moi, je pense même plus que 12 ans. Non, mais jamais revu, même croisé dans la rue, où vous étiez... La partouche de Christian Jacob, vous n'êtes pas croisé? Ouais, il n'y a pas de hasard. Ce qui est beau, c'est que vous avez passé beaucoup de temps ensemble la nuit à vous confesser l'une l'autre, à vous raconter. Non, mais c'est vrai. Vous avez eu des non, vous avez eu un rapport formidablement amical et c'est mais ça qui est beau. Mais comment vous savez ça, vous? Mais parce que je parce bosse. Que autant le reste, je voulais raconter, mais pas ça. Mais là, il invente peut-être. À 7h02, j'ai un appel masqué. Je dis appel masqué, c'est soit ma mère, soit Ruquier. C'est l'un ou l'autre, quoi. Yoann, pour le début d'émission, alors on va se dire un truc. Mais surtout, tu dis pas que c'est moi qui t'aide. Oh.
J'étais certain qu'il le dirait. Il le dirait, bien sûr. Mais vous êtes un escroc, Laurent. C'est-à-dire que je fais coup triple. Mais tout est truqué dans cette émission. Tout est truqué. Et ben, je suis très heureux parce que Laurent adore faire les retrouvailles avec Isabelle Mergo, avec Christine Bravo. Vous adorez. Mais tu pourrais leur adorer, vous fâcher. Tu pourrais les laisser en place. J'adore pas me fâcher, mais je trouve qu'on a tellement de choses plus importantes dans la vie que de rester fâché. Regardez, elles sont pas heureuses toutes les deux. Mais non, regardez. On n'était pas fâchés. Mais on est arrivés, ouais. Un bouvard. Mais non, en plus. Ouais. Va falloir vous dépêcher pour la réconciliation, quand même. Non, en plus, c'est bien, moi, elle me l'a dit, c'est Christine Bravo qu'elle peut pas blairer. C'est pas toi. Donc, en plus, c'est vraiment de mauvaise foi. Caroline, c'était une super rencontre. On s'est rencontrés chez Virgin. C'est vrai. Quand j'ai débarqué quand dans la maison. Vierge. Oui. Ah oui, ça doit être daté. Et c'est un souvenir. Non, on était plus vierge ni lune. Non, non. Oh là, non. Et en fait, ce que je peux dire, c'est que ça a été une immense rencontre. Et ça l'est toujours après immense, la vie. C'est pas gentil. On avait dit qu'on parlait pas physique. Une énorme. Alors, tout simplement, je débarque chez Virgin, faire écouter mes chansons. Mm-hmm. Et donc, Caroline est là. On a tout de suite eu un coup de cœur toutes les deux. Après, j'ai signé dans même la maison 10. Et elle était... Oui, oui, oui. Oui. Et... J'ai eu un coup de cœur. Sympa. Vrai, t'as fait de l'humanité, en fait, Caro. C'est l'époque où elle chantait au fureur et à mesure. Et aujourd'hui... si le facteur assure, avec trois fois rien, on peut aller très loin. Tu seras là demain et de tes mains. Mais c'était pas Sylvie Vartan qui chantait. Avant, elle avait quand même, avant l'album, il y avait quand même Ça va, ça vient. Ça va, ça vient, ça te prend la tête. C'est l'histoire de sa carrière. Hein. Et là, c'est biographique, ça va, ça vient. Ça va ou ça vient, là ça fait un moment que c'est pas revenu. Avec le patron de Virgin, bon, bah ça va, ça vient, ok. Mais c'est normal, faut bien bouffer, vous êtes marrant. Vous avez des diplômes, mais elle a rien. Bref, ça, on est dans les années 90 à cette époque-là. Exactement. Mais vous étiez déjà là à cette bien époque-là, sûr, Caroline. Oui, mais bien moi, sûr. J'étais, quand elle est arrivée, je n'étais que l'assistante de la directrice générale. Oh ouais. Après elle d'avoir été secrétaire, après taille-crayon. Après, très proche des artistes, ensuite. Et j'ai fini presse-papier.